Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour ce qui sera le dernier épisode de cette série, tout simplement parce que je ne peux pas attendre plus avant de faire la mage et que j'ai déjà tourné comme un gros malade et que j'en peux plus, je suis physiquement éreinté, donc je ne peux pas faire mieux. Je suis désolé pour ceux qui voudraient voir la suite, mais vous pouvez vous plaindre auprès de Paradox qui fait des patchs qui ne sont pas compatibles avec la suite. Donc ce qu'on va faire pour ce dernier épisode, c'est la formation du Saint-Empire. Alors avant, on va aller éclater le Danemark hein, très rapidement. On va probablement aller chercher ce qui manque également ici aussi. Tant pis pour les effectifs. On fera avec. C'est pas un souci. On va renvoyer la flotte au nord. On va filer tout ça Holstein. Derrière, on fera un effort pour aller claquer les dents également donc des Ottomans. Une dernière fois pour le plaisir. Et puis je considérerais que mon contrat est rempli parce que je devais conquérir l'Europe et de toute façon c'est juste une question de quelques mois, hein. Il n'y a vraiment plus rien qui peut me faire vraiment peur. Notre force est tellement, tellement supérieure à celle de tout le monde. En plus avec un peu de bol ici on va finir par avoir également une up avec le Portugal. Ce qui serait une très très bonne nouvelle. Alors, Danemark. On déclare la guerre avec l'aide de la Russie, comme d'habitude. Wow. Prendre Kolding. Oui, voilà, prendre Kolding pour... Oui, voilà, ce serait bien. Allez, c'est la guerre. Encore. Ça devient une habitude. Allez, en avant. Bon, vous étiez pas prêts, les gars, non? J'ai eu l'impression que vous étiez pas prêts. Ils ont implosé. C'est mignon. Ah bah c'est sûr que c'est pas l'Espagne. Hein. Ce pays possède des colonies proches parce que j'ai des colonies moi. Ouais j'imagine que... J'imagine que je dois avoir les colonies de l'Espagne quelque part. Ça doit compter une petite révolte ici. Alors, je vais demander à la Suède un accès militaire. Merci beaucoup. Je sais que j'ai trop de relations, mais c'est pas très important. Lui, il n'y a toujours pas d'héritier légitime. Hein. Ça, c'est vraiment dommage que je ne puisse pas réclamer son trône à notre ami portugais. Ce serait tellement bon. Ici, j'aurais pu m'embêter à mettre un général quand même. Tant pis. Finalement, l'Espagne aurait été mon plus coriace adversaire. Avec une guerre qui aura duré 2 épisodes quand même. La Suède qui veut un mariage royal avec moi, on aura vraiment tout vu. Ingil, c'est possible? Hop.
encore un truc que je filerai à Kiev. Allez, allez. On éclate ça et on n'en parle plus. Voilà. Donc vous, maintenant, vous allez retourner dans le coin. Je vais quand même pas renvoyer des gens. Hein. Ce serait pas nécessaire. Tout est à 110, donc je peux clairement prendre une doctrine intérêt annuel moins. Ouais, bon, ça c'est nul par contre. C'est vraiment tout pourri. Qu'est-ce qu'ils ont, ces révolutionnaires pourris aussi là? Ah là là. C'est fini avec ces idées de révolution, s'il vous plaît. Puis vous là, vous croyez que je vous ai pas vu? Bon, donc tout ça, c'est pour le Holstein. Holstein. Voilà. Holstein. Merci. Vous pouvez continuer de courir. Ici, ça se passe bien. Est-ce que le Danemark décide de me laisser la place maintenant? L'Angleterre. Alors l'Angleterre, c'était pareil. Hein. On avait beaucoup de choses à faire avec les Anglais. On va s'assurer qu'ici on a fait le boulot avec l'Albanie en transférant bien ce qu'il faut et à Kiev également. Avant d'attaquer les Ottomans. Allez, Kiev. On lui file ça. Et Albanie. Ça. Et Corfou. Parfait. Bon, alors pour l'instant, effectivement, on ne pourra pas améliorer les relations plus que ça avec l'Espagne. Il faudra du temps hein, pour qu'on arrive au 190. Mais vous voyez qu'on a quand même une expansion agressive assez vénère qui va réduire de 4 chaque année. Donc dans une dizaine d'années déjà, il faudra une vingtaine d'années, je pense, pour que tout ça se réduise. En sachant qu'on ne peut pas l'annexer avant 50 ans. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas l'annexer avant 1725-26. Donc tous les malus auraient déjà disparu en fait. Hein. Et en 1726, on devient maître, donc du coup, Espagne, le Canada, de tout le bordel. Hop. On dirige tout le truc. On est les rois du monde. Donc oui, machin. Est-ce que tu me files tes terres, s'il te plaît? Oui, bah voilà. Voilà, bah on s'en met pas plus. Hein. Tu files même ça, tu sais quoi? Non, tu veux pas ça. D'accord, bah écoute, garde-le, de toute façon, c'est pourri. Bah, allez, soyons fous. Par principe, je prends une terre de plus, juste pour pouvoir faire des revendications là-dessus et après le transférer. Voilà. Ton argent. Au revoir. Ouais, bon. C'était intéressant. Comme ça, on peut rentrer chez nous. Bah du coup, maintenant, on va retourner au sud. On va ramener nos flottes. Notre flotte. Flotte qu'on va considérablement renforcer, d'ailleurs, en passant. Ah, on s'en fout. Annexer le pays de Galles, pas tout de suite. Ici, modif de limite terrestre, morale. Allez. On reprend le moral supplémentaire, sait-on jamais. On n'est jamais trop prudent.
C'est dommage hein, que je doive arrêter comme ça, mais je peux pas me permettre de rater en fait la sortie d'un patch. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui s'intéressent hein, à la sortie d'un patch, et je ne peux pas faire les deux séries à la fois. Donc je peux tourner comme un gros malade et puis faire durer une série 3 semaines alors que je tourne en vérité que 2 jours, mais vive les vacances, parce que du coup je fais que ça. Donc là, c'était pour ça que ça s'arrête. Hein. Je peux pas faire plus, les gens. Je suis désolé. Mais bon, on aura terminé avant 1700 et on aura déjà conquis toute l'Europe. Tu viens, mec? Ou tu viens pas? Comment on fait? Et bien sûr, cette fois, il y a également toutes les troupes. Comment? Il y a toutes les troupes espagnoles qui vont se joindre à la fête. Bien sûr. Quoi? Suède. Oui, c'est Suède. Pourquoi quand je clique dessus, il m'emmène sur l'Angleterre, n'importe quoi. Et vous savez en plus que dans les derniers 100 ans, avec les casus belli d'impérialisme, on peut faire tout et n'importe quoi comme des gros porcs. Vraiment, vraiment comme des gros porcs. Donc on aurait pu se gaver totalement. Le truc, c'est que je vais faire la mage. Aujourd'hui, hein, quand j'aurai terminé cet épisode. Et que je ferai le possible, mon possible en tout cas, pour rendre la sauvegarde... comment dire, compatible, même si a priori c'est pas possible. Je ferai mon possible, et puis je pense que, comme je l'avais fait avec le Japon, comme je l'ai fait avec... comment? Comme je l'ai fait avec les... Oui, bah donc le Japon et les Kings. Comme je l'ai fait avec les Kings, je vous montrerai l'état de la partie, parce que je la continuerai à l'occasion, hein, quand j'aurai le temps. Et je vous montrerai l'état de la partie au bout d'un certain temps. Dans l'optique où c'est possible. Bref. Allez à Tunis. Oui. Je m'en remettrai. Allez, c'est parti. Ici, déclaration de guerre. On appelle la Russie. Le but est de prendre Salonique. Ouais, ou de faire une guerre sainte aussi. Non, non. Prendre Salonique, c'est mieux. Ça me coûtera moins cher en points. Et... c'est parti, la Xème guerre contre les Ottomans. Alors, là, il y a plein de bateaux partout. Alors bien sûr, on a là-haut aussi, hein, on va revendiquer des choses. Là, on va traverser avant d'avoir des problèmes, parce que eux, ils vont nous faire mal au cul, très clairement. Quoique c'est que des vaisseaux de transport. Ce sera peut-être pas tant la violence que ça.
Et vous voyez, c'est plus que c'était, hein, on va dire, les Ottomans. Clairement plus. Ça qu'on puisse aller nulle part comme ça. Si je pense qu'on peut complètement faire ça et de là passer ici, ça je pense. Oui. Par contre, il y a beaucoup trop de gens. C'est un peu dangereux tout ça. Ce serait un peu violent comme débarquement. On va aller leur péter les dents très très rapidement. On va aller assiéger le reste ici. Corfou, c'est terminé, c'est parfait. Oula. On a perdu un combat parce qu'on regardait pas. Bien fait pour ma gueule. On va se regrouper quand même. Vous allez où vous? Vous allez en Espagne ou bien... Merci. Alors. Ici, un siège de moins encore. C'est parfait. Ici, on va se regrouper. Ici, c'est parfait. On passe à la suite. Il va y avoir une baston monstre. On a intérêt à y aller tous. Ouch. Ouch. Ça fait mal au cul par contre. A priori on est assez nombreux. Je pense que ça peut tenir. Oui, ça va tenir avec les renforts. C'est pas facile, hein. Oui, ça a tenu. Waouh. Quelle violence cette bataille. On a perdu des plumes. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est fini, populace. Alors ça, ça va appartenir à notre vassal de Kiev. Ces trois trucs. Ça, ça va appartenir à l'Albanie. À l'Albanie. Encore à l'Albanie. Puis Corfou, je le garde pour moi. Notre impératrice est morte. Ouais. Triste histoire. Bon. On continue.
Pour l'instant, ils semblent, hein, toujours assez motivés par la guerre. Aussi étrange que ce soit. À mon avis, ça ne va pas rester le cas longtemps. Est-ce que les Tunisiens sont motivés pour faire la guerre? Oui, ils sont très très motivés, les Tunisiens. Le sceau de la confession. On a mis des points diplomatiques. On n'a pas d'intérêt particulier. À faire hein, comment ? Un réseau d'espionnage sur l'Espagne. On s'en fout un peu. On voit déjà que nos relations se sont cordialement améliorées. Ici, on pourrait faire... des revendications supplémentaires. On n'aura pas le temps de conquérir l'Angleterre, malheureusement. Bon, pas pareil, hein, ça aurait été de toute façon une simple formalité. J'aime bien, je craque des events à 1000 balles. Aucun intérêt, aucun stress. Pas d'héritier légitime. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Le truc, c'est combien j'ai de mariage. On va regarder. ...110%. Hein. Nombre de mariages royaux, j'en ai que 3. A savoir donc Kiev. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça. Danzig. Albanie. Si ça passe, on fait 4 déjà. Alors c'est quoi le délire? Pays de Galles, Albanie... Danzig, Kiev, Portugal, Portugal. Oui, bon, ça va aller, on a quel âge? On a 41 ans, c'est bon, pas s'inquiéter. Voilà. Un petit France. Aucun problème. T'es de la bonne dynastie, mec. Oui, t'es un petit Habsbourg. C'est parfait. Bon alors, est-ce qu'à l'heure actuelle, il voudrait me lâcher ce que je veux? C'est-à-dire le foot dehors d'Europe. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Dans ce cas... Dans ce cas, nous allons continuer. Alors, non, vous allez plutôt faire le siège qui se trouve là. C'est qu'une petite question de temps. Hein. Voilà, ça c'est terminé. Ici, on va les choper en race campagne. On les a pas chopés en race campagne? On les a chopés dans les collines, ce qui n'est pas radicalement différent au niveau de la du résultat. Allez, allez, on envahit, on envahit. Aller plus loin, malheureusement.
L'Empire ottoman qui s'écoule comme un château de cartes. C'est très plaisant. Très plaisant à suivre, très plaisant à voir. Donc maintenant, tu les lâches les trucs ou pas? Pas tout à fait, mais presque. On va y arriver. Bah ici, c'est bon, on a tout pris. Pourquoi là-bas? Ah, mais là-bas aussi, on a tout pris, en fait. Mais on a des forces adverses que je n'avais pas vues. Oula. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas retourner à Constantinople. C'est pas la peine d'en faire plus. Ici, on va se regrouper. Prendre un commandant capable. On va péter quelques dents. Très rapidement. C'est peut-être un peu la violence. Ah, ça aurait pu passer. Ça aurait pu passer dans le sens où... on avait quand même les doctrines de qualité et tout, mais... Il y a manqué pas grand-chose. Hein. Vraiment pas grand-chose. Ce qui fait que du coup, on va être obligé... de faire venir d'autres gens. Un petit Rurikovitch. C'est pareil là, il n'y a pas moyen d'avoir un petit... comment? Un petit gars de chez nous. Puis lui du coup. Non, dommage. On n'a pas réussi à placer notre dynastie sur le trône. C'est pas dramatique mais... Ça aurait été plaisant. On l'a tellement éclaté. Il s'est tellement fait défoncer. Non, on va rester ici, les gars. On va se rejoindre. Ah, mais ils sont beaucoup, ces cons. Ils sont vraiment beaucoup. On va peut-être pas tenter un combat qu'on n'est pas sûr de pouvoir gagner, alors qu'on a ici quasiment, de toute façon, éclaté tout ce qu'on voulait. Et qu'il accepte nos conditions de paix. Alors, bah écoutez, on prend tout ça. Voilà, somme propre, comme deal. Non. Bon, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour Kiev également. Je prends pas ça, moi. Ah, pour Kiev tu veux pas. Bah écoute, on a qu'à faire ça comme ça, tant pis. Merci, au revoir. Voilà. Ça, on n'en parle plus. Ici. Voilà, tiens, vous voyez une petite armée par là. Vous. Par là. Les bateaux en réparation, s'il vous plaît. ...53% de surexpansion. Alors, on nous dit qu'il y a des ordres qui font la gueule, mais je crois que c'est un grand classique chez nous, que certains ordres fassent la gueule. Les nobles n'auraient pas, soi-disant, assez de territoire. On va leur enfiler. Voilà. Non, c'est pas suffisant. Voilà. Ah, vous me foutez la paix maintenant? Merci beaucoup.
Là, je prends pas la doctrine, hein, parce qu'à ce niveau-là du jeu, même si, si j'étais amené à continuer, j'aurais attendu d'avoir la prochaine technologie pour avoir les nouvelles troupes. Sauf que là-bas, de toute façon, on va arrêter, donc on s'en fout, mais quand même. Mais quand même. On va légitimer le bordel et on va créer l'Empire. Alors derrière, on pourrait complètement annexer un truc, hein, très très vite fait. Bah, pas d'Anzig déjà. Kiev, ils vont galérer pendant je sais pas combien de temps, je pense, pour... pour légitimer. Ça c'est pareil, on peut le récupérer lui. Hein. On aura donc joué jusqu'en 1680. Ce qui n'est pas si mal. L'air de rien. Évidemment, là, si je voulais optimiser, je repartirais en guerre, hein, direct. De toute façon, si on veut faire une conquête mondiale, il faut tout le temps être en guerre. Mais le truc, c'est qu'il faut surtout que Paradox fasse en sorte de sortir des patchs compatibles. Ça, c'est autre chose. Très vite, l'annexion de Kiev. Plus vite que ses légitimations, j'ai peur. De la même façon, on pourrait complètement annexer Danzig. Mais... au moins comme ça, vous aurez eu la chance de voir une restauration impériale. Parce qu'à partir de là, les Ottomans ne sont plus du tout un problème. Comme vous avez pu voir, on les écrase totalement. L'Espagne non plus. D'autant plus que bah, elle est à nous. Et que toute sa force, du coup, est avec nous. Oh putain, ils ont carrément pris la forteresse directe. Sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux, les gens? Dommage qu'on puisse pas ordonner aux gens de mettre des trucs dans le Saint-Empire, mais bon. C'est pas grave. Notez qu'on est toujours le défenseur de la foi, hein. Mais ça sert plus vraiment à que dalle. Indépendance de la France, séparatiste français. Où ça donc? Je sais pas où sont ces coquins de séparatistes. Mais bon. C'est pas nos oignons. Je sais pas, c'est très pertinent de le faire maintenant, ça, mais bon. Dans le doute. On va le faire.
Hop. Et hop. La vassalisation de Kiev, ça va être très très rapide. Pas d'héritier légitime, c'est vraiment dommage. Bon allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va même créer le Saint-Empire avant de terminer le truc, parce que le fait d'annexer quelqu'un va me faire avoir des malus, et je ne voudrais pas qu'on ait des malus. Les 52 princes soutiennent cette réformation impériale, et c'est parti. Renovatio Imperii Romanorum. En l'année de notre Seigneur 1682, sachant que c'était prêt depuis 1620, mais bon, le très serein Auguste Ernest II von Habsbourg, Imperator Romanorum, couronné à la grâce de Dieu, a de nouveau convoqué la diète du Saint-Empire romain germanique. Celle-ci a promulgué une réforme visant à unir l'ensemble des innombrables états membres de l'Empire en un seul état, et de faire de l'empereur romain germanique le possesseur héréditaire de la couronne. Le pays est renommé Saint-Empire romain germanique. Nouvelle Rome s'applique à Autriche. Oui, oula, doucement. C'est beaucoup, hein, de pop-up. Il y a vraiment quelqu'un qui a programmé ça comme ça. Ils sont sérieux, les gens. Est-ce que chez Paradox, ils l'ont seulement fait? Quoi? S'il vient de me saouler avec... Voilà, ça c'est propre. Empire romain germanique. C'est très très propre. Rome occupée, oui, mais je m'en tape un peu, non? Papauté asservie, oui, mais non. Normalement, ça, c'est pas un truc qui... La papauté, on s'en fout. Voilà, le Saint-Empire romain germanique. Alors oui. Alors oui, par contre, ça fait beaucoup de troupes quand même. Ça fait beaucoup, beaucoup de troupes. Il y a également quelques petites provinces à gérer. L'empereur von Habsbourg. Très, très classe. Oui, j'ai un rang d'empire, c'est bien le minimum. Ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? C'est ma limite. Ouais, je suis à 700 pour 400 de limite. Mais j'imagine que je suis à 400 parce que tout ça... Ouais, les états n'ont pas été créés. Donc évidemment, si on s'amuse à créer les états, on va monter vraiment excessivement haut. Comment on fait? Ouais, parce que là, il faudrait que je prenne une demi-heure pour foutre des états partout, quoi. Ce qu'on fait techniquement, c'est qu'on prend la carte économique, on fait niveau de dev et on regarde qu'est-ce qui rapporte du pognon. Donc ça rapporte du pognon, voilà, très clairement. En plus c'est gratuit de le faire, donc on le fait. Ok, plein de pognon aussi, ça semble pas mal. On fait la 7,25, on fait la Savoie 4,9, on prend tout ce qui est ici, la Rome et compagnie. On prend. Gênes et compagnie, on prend. Venise. Venise, on peut pas. Bah oui, bah on peut faire ça pendant je ne sais pas combien de temps.
C'est ça le truc, hein. Alors c'est le niveau d'indépendance qu'il faudrait voir pour être... Et où est-ce qu'ils l'ont caché, le niveau de... d'indépendance, type de rebelle, non, je m'en tape, autonomie locale. Ouais, donc voilà, tout ce qui est vert et tout ce qui reste à faire, ça en fait un paquet. Le prince Vic, la frise. Ah, il y a du pognon à faire en frise, hein. Et ici. Ici aussi. Alors on a le commerce de céréales, on a le commerce de plein de trucs, bien évidemment. On reprend. Autonomie locale. La Lorraine. Plus 6. Le Palatinat. Plus 3. La Provence. Ah, on a 52 états. Lol. On peut pas faire plus pour le moment. Bon bah écoutez, pour l'instant, on peut pas faire plus. Vous voyez qu'il reste un paquet d'endroits où on devrait faire des états. Voilà, et déjà à l'heure actuelle, on est remonté à 700 de limite de force. 700. Voilà, c'est-à-dire que du coup... Alors ça c'est pareil, tout ça, ce ne sont que des simples formalités. Le nombre d'états va augmenter au fur et à mesure... comment le nombre d'états va augmenter au fur et à mesure qu'on va débloquer des techs ici. Il faudrait bien entendu construire des petits tribunaux partout. Ouais, maintenance des états, moins 50%, bah on en fout au moins un par état. Si on a 7000 balles, on peut se permettre. Hein. Parce que là, nos états nous coûtent excessivement cher, donc il faudrait voilà, faire des trucs de ce style, en regardant absolument pas où tu les mets. T'en as rien à foutre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Un truc comme ça. Ici, on n'a pas fait d'état, je crois. Pas spécialement, je ne sais plus. Je crois que si. Hop. Hop. Voilà. Alors après, bien sûr, on a également tous les endroits où on pourrait construire des trucs qui rapportent super cher. Parce que maintenant, il y a toute la partie qu'on n'avait pas développée parce qu'elle ne nous appartenait pas directement qui devient accessible. Et donc... Bah voilà, hein, 0,62, 0,50, 0,67, 0,50, 67 encore, 67, 67 partout. Donc à partir de là, c'est la fête du pognon. Un petit 43 là, je suis un peu déçu, hein, c'est pas terrible. Enfin voilà quoi. Pour l'instant, on perdrait 17 ducats dû à peut-être nos 100 bateaux en trop. Ça joue. Ça joue franchement. Genre les bateaux de ce genre-là. Les bateaux de transport. C'est pas comme si on avait besoin de se transporter où que ce soit. Pour l'instant, du moins... Donc maintenant, on a le commerce des fournitures navales. Voilà, et rien que déjà en faisant ça. Voilà, donc 20 bateaux de trop, une quinzaine de troupes en trop. On est monté à ouais, 447K de réserve militaire. C'est bien, mais pas non plus exceptionnel. Mais bon, voilà quoi. On va regarder les stats, hein. Normalement, il n'y a pas de débat. Ah, c'est pas ça. Armée nationale. Voilà. À ce niveau de la partie. On a 724 de limite de force. Les seconds, ce sont les Ottomans. Ils ont 221. C'est-à-dire que le second est 4 fois moins gros que nous, à peu près. Le russe, 5 fois moins gros que nous. Malgré la taille qu'il fait, hein, c'est... Comment ? C'est plutôt faux de voir ça comme ça.
Ici, en plus, derrière, on aura l'intégration de l'Espagne, qui va se terminer avec la prise du Canada espagnol et tout le tout-team. Voilà, voilà. Bon, eh bien, en tout cas, ça a été une sacrée partie, assez plaisante. Il nous faudrait quelques mois supplémentaires, quelques années pour en terminer avec l'Angleterre. L'Albanie. Bien entendu, une annexion de l'Albanie, ce serait beaucoup plus propre également. Ensuite, terminer la République des deux nations, enfin de la nation et demie, là. Ça irait très très vite. Bon, en tout cas, j'espère que cette série vous a plu. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, peut-être que je vous montrerai, si j'ai le temps, et si j'arrive à faire en sorte que je puisse continuer cette partie tout seul dans mon coin, la suite de l'aventure, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble au bout d'un certain temps. Mais sinon, c'est là que ça s'arrête, à cette aventure avec le Saint-Empire romain germanique. On n'aura encore une fois pas fait la conquête mondiale. Mais bon, la conquête de l'Europe est quasiment achevée, hein, très clairement. Ce qui n'est pas sous notre domination et notre allié. Et ce qui reste, c'est du pipi de chat. Bref, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye à tous!